Bonjour, j'ai à parler encore des femmes. Il y a 2 ans, beaucoup de femmes ont été super gentilles avec moi aussi. Puis, on m'a encore flushé, t'sais. On m'a encore flushé de que là en ce moment la société essaie de m'enlever une place en disant que je suis rien, que j'ai pas de power, rien. Ça. Mais en 94, je montais de plus en plus, j'avais de plus en plus d'argent et de plus en plus d'acquisitions, à 175 millions. Donc, ce qu'on m'a fait, c'est un sacré complot pour m'empêcher d'être la bonne personne que j'étais. J'avais eu des femmes dans mon entourage et tout ça, en 94. Mais je sais que j'avais des amis. Ces amis-là savaient que j'étais que j'étais avec une vedette très très riche, que j'étais très très riche et tout ça. Puis, ils ont décidé de me flasher eux aussi. Donc, moi c'est ça, tu sais, j'ai des beaux souvenirs, je me souviens de belles femmes, moi. Mais là, je suis tout seul. J'ai essayé de me garder une histoire là, à écrire. Donc, les femmes. Je suis capable d'avoir une femme. On dirait tout le monde sont possessifs, jaloux, tu sais. Fait que ce qu'on fait en ce moment, c'est que je peux même pas avoir une femme, puis la société me maltraite à cause de mon manque d'instruction. Je vous ai joué un tour, hein, je pense, un jour, quand j'ai été accepté à l'université en droit, certificat de droit, ensuite en gestion d'entreprise, au HEC. Bon, ben encore là, vous m'avez démoli. Moi, j'ai plein de petites victoires, tu sais. Puis, c'est des grosses victoires parce que j'ai été quelqu'un d'assez agile, et assez vite pour avoir réussi des affaires qui est considéré impossible de réussir. Mais quand
fallait pas que je retombe en amour. Je me suis fait rire de moi. Je tombe en amour avec des femmes qui t'aiment même pas. Puis en plus qui t'aiment, qui essayent de... essayent de... essayent de te détruire. Ok, merci. Bonjour. 2 heures.